Cette région montagneuse à la frontière avec l'Iran abrite ce qui pourrait être un temple deux fois millénaire. Jusqu'au 25 septembre, date du référendum d'indépendance du Kurdistan d'Irak, des équipes travaillaient encore sur le site archéologique de Raparin. Mais la décision de Bagdad de suspendre les vols vers et depuis la région autonome a poussé les archéologues étrangers à quitter la zone, de peur de se retrouver coincés. هوکاری وسانه که من پیوندی بلانی ناسقامگیری ناوچکه و بو بوی او تیما شوینواریانی که پیکاتون لکسانی بیانی لدرو لولاتانی فرنسا، بریتانیا، هنگاریا لولاتانه دین سدانی ناوچکه دکن و توجینو دکن La brouille entre Erbil et Bagdad a eu lieu au moment où les archéologues commençaient à percer les secrets du site. Au printemps, deux sculptures y ont été trouvées, dont celle d'un homme qui pourrait être Alexandre le Grand. D'après le British Museum en charge des fouilles, il faudra encore plusieurs années pour confirmer ou non cette découverte.